Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog car on part à la WooFest, anciennement WooFrun. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, en 2020, j'avais participé à l'édition de la WooFrun. C'était génial, c'était la première année à laquelle je participais. Et les années suivantes, je n'ai pas pu m'y rendre parce que c'était déjà sur Paris et que j'avais des cours et je pouvais pas me déplacer le week-end. Cette année, c'est la première fois qu'ils déploient l'édition partout dans la France. Donc il y en a quatre, une à Toulon, une à Lyon, une à Paris où on avait été en 2020 et une à Montpellier. Ce week-end, c'est-à-dire le 22-23 avril, c'est l'édition de Toulon qui a lieu. Alors c'est pas vraiment à Toulon, c'est au château de Berne plus précisément. C'est à environ 1h15 de chez moi, donc c'est vraiment tout près. J'étais obligée d'y aller, ça va être trop bien. Enfin, à l'heure actuelle, je vais plutôt dire c'était très bien parce que je tourne cette intro après la WooFrun. J'y vais avec Mélodie et on va rejoindre Mathilde du compte NNP et on passe une nuit là-bas, comme ça nous évite de faire des allers-retours. Donc on a réservé un logement juste à côté de la WooFrun et voilà. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est la patte enchantée. On vous partage beaucoup de choses là-bas, surtout sur Instagram. Donc n'hésitez pas. T'es prête ma fille, on y va? T'es prête à courir? Oui. On est arrivé, on a trouvé le chemin. Ça va, c'était pas trop compliqué. On est sur le parking, on attend Mathilde du coup qui devrait pas tarder. Et voilà, Mélodie elle est très pressée de sortir. Tu me dis bonjour avec sa petite tête. Ma fille, oui. Le temps, ça va, franchement, il y a du soleil et des nuages, mais c'est parfait, comme ça on n'a pas trop chaud pour courir, entre guillemets. Hein. On a notre course à obstacles à 10h30, on doit retirer les dossards à 9h30, donc bientôt, parce qu'il est 9h10. Donc voilà, ça a l'air trop chouette et j'ai trop hâte. Par contre, j'espère que Mélodie va bien sauter les obstacles, hein, parce que je la connais, hein, elle est flémarde comme moi. Coucou, je suis morte. Oui. Bah oui. Tawa. Voilà. Voilà. Eh bien, on est arrivé à la WooFest de Toulon. On a d'abord été faire un petit tour, puis on a récupéré les dossards pour la course. Apparemment, il y a un échauffement avant. Bon, la vérité, ça ressemblait plutôt à ça. Deuxième accident. Mais... Ah ouais, ça commence comme ça. Mais dis-moi. Oui. Bon, c'est bon, on a fait genre, on peut marcher maintenant. Et on arrête de courir. Puis on est arrivé au premier obstacle. C'est une blague. Il y a marqué ramper là. Ramper. Bah, je crois qu'on est obligé de ramper. Oh la flemme. Bah écoute. Mais Mélodie, c'est facile pour toi. J'ai pas envie. Oh. Le
Le parcours était quand même assez difficile, ça montait et ça descendait pas mal, même si ça ne se voit pas trop en vidéo. J'ai failli tomber plusieurs fois. Je vais me casser la figure. Ah, je vais tomber. Attends, attends, attends. Mélodie, arrête de tirer. Ah, j'entends l'eau. Nous sommes arrivés au point d'eau et là, Mathilde n'a pas voulu le faire. On peut pas le contourner ? Non, non, moi je vais aller à l'eau. Hein. Bah, tu peux dire que tu peux pas aller à l'eau ? Pas aller à l'eau. Du coup, bah, je vais aller me baigner, hein, écoutez. Toute seule ? Attends, Mélodie. Mélodie, elle est pressée. Hein. Attends. En tout cas, attends. Mélodie était très pressée et très contente. Ah, c'est froid. Oh, ça va. Ah. Bon, je suis dans l'eau. On est arrivé à la meute de paille et Mélodie était à fond. Regardez comment elle grimpe. Rien à voir avec la Woof Run de 2020. Wow. Attends. Non, Mélodie, tu descends pas. Doucement, doucement, doucement. Attends, 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 attends. Ah. Wow, c'est haut quand même. Mélodie, tu vas me faire tomber. Bon, obstacle réussi. Franchement, Mélodie a été superbe. Regarde, elle est en forme. Regarde, mais oui, regardez. Je sais pas si vous voyez, elle a plein de paille. Mélodie, t'as plein de paille. Et voilà, on s'est fait dépasser. Non mais regardez, il y a des chèvres et des moutons. Puis on est arrivé à la moitié du parcours et on a pu s'hydrater un peu. Qu'est-ce que ça va ma fille? Encore en mêlée, c'est incroyable. Comment on fait? Bibi, là. T'es sur moi. Allez, on continue. Bon, est-ce qu'on s'est perdu? Non, peut-être pas. Non, on n'est pas perdu. Si, si, si. Arrête, non. C'est bizarre où on va, non? Je sais pas. La fin est proche, c'était les derniers mètres. Et Mathilde ne voulait pas courir, alors je l'ai disputée. Je crois qu'il faut courir. Ah, il faut courir? Oui. Allez. Non, 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 marche. Mais si, ça va. Allez, arrête. Allez. 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 Allez, cours. Allez, c'est la fin! Ouais! Merci! Yes, on est arrivés! Course à obstacles terminée. On a récupéré notre petit sac avec des goodies et notre médaille. Là, on a voulu refaire le départ et on arrive toujours à s'en mêler. On a ensuite testé la piscine à balles. Mélodie n'arrivait pas à monter dedans. Ben voilà. Tu vois, t'aimes bien. Tu vois, t'aimes bien, j'ai raison. Oui. Regardez cette bouille. Elle n'était pas très à l'aise et essayait de sortir. Puis, on a commencé à jouer dedans. Il était 14h passé, on est allé manger en regardant le tirage de la tombola, à laquelle on n'a pas participé. Il y avait une deuxième tombola en fin d'après-midi, alors cette fois-ci on a pris nos tickets. Merci. On s'est encore promené dans la WooFest, puis on a assisté à la deuxième tombola. Comment elle s'incruste l'autre? Alors, comme convenu, allez, continue. Bon, on n'a pas gagné. Bon. En fin de journée, on est allé sur le stand de Jas et on a essayé un nouvel ensemble trop trop beau. Fin de journée, il est temps de récupérer notre logement. Ce n'était pas de tout repos. Tu t'en sors? Wesh. 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 On
Bon voyage. J'ai jamais vu ça de ma... On n'en peut plus. Si, 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 vas-y. Après avoir galéré à ouvrir la porte, on a découvert un bac avec des affaires pour les chiens. C'était vraiment trop gentil. Mais ouais, ils ont mis des gamelles. Donc, franchement, trop sympa. Ouais. On est allé faire un petit resto. Mélodie, elle prend toute la place dans le lit. À demain. Coucou. Bonjour. Deuxième jour, on se prépare. Regarde le harnais. Oui, Mélodie, c'est ton harnais. Jour 2, on va faire du doga pour se relaxer un peu avant ce début de journée. Comme vous l'avez compris, on a commencé cette journée en faisant du doga. Première fois pour nous, on a adoré. C'est une rétention. Expiration, de poser les genoux en pliant. Bon, il y a eu des ratés. Non mais regardez-la. Déjà que j'ai du mal à suivre les consignes, elle se met devant moi pour m'embêter. Je vois rien. Expire, vous crochetez vos petits doigts de pied. Donc vous gonflez bien l'abdomen. Essayez. Attention, de la voilà Mélodie. Voilà, super, regarde. Regarde comme elle s'est mise, c'est trop bien. C'est trop mignon. Petit massage, elle kiffe. Oula, ok, d'accord. Bon, il y avait des postures pas évidentes, mais c'était super, on a bien rigolé. Comme la veille, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, ce deuxième jour était centré sur les activités. On a été à un stand où Mélodie s'est régalée. Tu connais ça? Oh oui, ça c'est bon. Le liquimassage, ça. Ouais. Et on a ensuite fait tous les stands pour avoir les tampons et pouvoir gagner des goodies. On s'est attaqué à la Woof Games. Un jeu à base d'énigmes et pour tout vous avouer, on n'a pas tout compris au début. On devait encore une fois faire le tour des stands pour trouver des indices. On bronze, on est fatigué, on comprend pas la règle du jeu, on comprend rien. Je vous laisse avec nos galères. Caniche 10. 10 c'est où 10? Attends mais 10, ok d'accord. Et c'est la question 10 du coup. Ouais, bah, la question 10. Ça passe de 7 à 8, 9, 11. À 10, 10, 10, 10. Des articles de ouf. Passez voir les œuvres des enfants de l'école Ernest Monnier. Votre guide vous y attend. Et c'est un golden, je l'ai vu. Ok, bon, parfait. Il est où le golden? Ah, c'est le 18. 18. 18. Belle. Ah, Belle. Belle et le clochard. Et qui sont-ils? Ah, Belle, c'est quoi comme race de chien? Belle et le clochard. Oh, la honte! C'est quoi Belle et le clochard? Ah, c'est pas un cocker? Non. On est à la dernière énigme. Il faut chercher un bandana blanc. Où se trouve le bandana blanc? On a trouvé le bandana. Il est là. Il est là, putain. Il est là, le bandana. On a réussi! On a récupéré nos cadeaux. On a bien mérité une petite pause. On a testé aussi le hey ball, Mélodie était à fond comme d'habitude. Mélodie, non. Oui, c'est bien. Hello. En participant à la Woof Games, on a gagné des tickets de tombola, alors nous avons assisté au tirage au sort. Et j'ai gagné. Une bouteille de vin. Ensuite, on a mangé. On vient de se faire embarquer pour une batate canine, tout simplement. Voilà, donc let's go. Hein. Vous l'avez compris, on est parti pour faire une balade. C'est un peu le même parcours que la course à obstacles, sans les obstacles et en plus court.
Merci. Bon, ça y est, c'est la fin. C'est la fin? Ouais, il est 17h30 déjà. Et j'ai attrapé mais des coups de soleil. J'ai trop mal. Et ben on va rentrer, on va prendre la route. Je dis au revoir à Mathilde. Au revoir Mathilde. Au revoir. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Franchement, on s'est trop bien amusé, c'était génial. On remet ça puisque on sera présent à la WooFest de Lyon le 13 et 14 mai. Ça va être vraiment encore super bien, je le sens. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.